Hop 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 tout le monde, là les gars, on est sur ma chaîne, on est chez moi, donc vous prenez vos chaussures et vous les enlevez. Parce que j'ai pas envie que ça soit le bordel et surtout mettez-vous bien quoi. Parce que aujourd'hui, on va être satisfait devant des vidéos satisfaisantes. Donc objectif, j'ai fait la petite compilation, j'ai sélectionné plein de vidéos qui je pense pourraient vous plaire parce que suite au retour que j'ai eu dans les dernières vidéos. Parce que j'ai écouté vos commentaires les gars, j'ai fait partie des derniers youtubeurs qui lisent les commentaires mais tout va bien. Donc j'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas les gars, et c'est pas bien évidemment, à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner. Oui j'ai acheté ce siège juste pour faire ça. Ah oui bien sûr. Donc les gars, on commence la vidéo dès maintenant. Les flammes. Je suis un pyromane et accessoirement un gros psychopathe. Je parle bien des flammes hein. Genre les trucs qui brûlent. Pas des flammes en rose. Ils sont chelous. Là les gars, c'est des bails d'allumettes. Genre déjà même le timelapse il est kiffant tu vois. Genre là ça arrive, ça met ses petits points de colle. Moi j'ai juste des points noirs, lui il a des points de colle. Frère l'objet il a une gueule chelou hein. Genre si ça c'est une fusée, j'ai une très grosse fusée hein. Décollage immédiat. Ah mais c'est vraiment une fusée. Attendez je crois que c'est pas une blague. Mais c'est en vrai c'est grave stylé. Genre c'est un talent un peu bizarre. C'est pas le truc que genre tu vois tu utilises le plus souvent. Mais quand même c'est stylé tu vois. Tu sais que le gars de ces dimanches, il a du travail. Et en vrai, imaginez, ça part vraiment et ça fonctionne, ça serait juste incroyable. Là, pour moi, juste le truc qui va exploser. C'est le pire ingénieur en fusée du monde. T'as fait basiquement une bombe, mais qui va exploser sur toi-même. Tu veux la guerre, mais pourquoi t'allumes la mèche? Ah là, il a clairement allumé la mèche, mon gars. Moi, j'ai une mèche, lui allume la mèche. Genre, ça marche? Pas trop. Donc ouais, là jusque là c'était stylé, ça fonctionnait. Attends, et par contre frère, t'aurais pas... Pourquoi tu le fais pas sur un parking? Parce que là il y a un peu genre des arbres autour, potentiellement un feu de forêt, potentiellement le danger pour des milliers d'espèces et pour ton petit fessier. Les gars, pourquoi on fait pas ça sur du béton? Bon bref, est-ce que ta fusée elle décolle? C'est un peu triste. Attends, t'es qu'elle va décoller là par contre. Ah non, juste elle brûle. Bon gros, si j'ai besoin de faire une fusée, tu seras pas la personne que j'appellerai. Mais par contre, si j'ai besoin d'allumettes, je t'appelle direct. Je sais pas si c'est trop bizarre si j'arrive au supermarché et que je demande 100 paquets d'allumettes ou je prends tout le stock comme ça. Je sais pas si ils accepteront. Là les gars, c'est juste un truc satisfaisant. C'est juste un gros cœur parce que je sais que vous en avez un. Et regardez, tout le monde en a. C'est juste plein de ballons, gros. Moi, tu vois, là, je suis content pour eux et tout. Mais je suis beaucoup, beaucoup moins content pour les gens qui vont devoir ranger tous les ballons. Parce que là, gros, je sais pas qui c'est, mais augmentez-le. Il mérite un cookie et une augmentation. Ok, c'est un pétard. Pourquoi une carotte? Quoi? Ça n'a aucun sens! Ça n'a aucun sens, les gars! Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer! Pourquoi? Il n'y avait pas un truc qui allait en fait! Ça n'avait juste aucun sens, je suis frustré! Ok, alors là, c'est le bail des chaussures! Ça, c'est trop marrant! C'est des gens, ils ont des petits doigts, mais ils ont des grosses chaussures! Oh, elle a brisé l'os! La peu. Pourquoi ça m'a fait rire, c'est débile. Pourquoi on regarde ça? Et c'est quoi cette miniature? Je vérifie quand même s'ils ont écrasé le chat. Non, ça va, ils ont pas l'air d'avoir écrasé le chat. Pas où ils ont écrasé le un cochon! Les gars, là, on part en couille, là, on est juste en train de se bailler sur le. Ah! Eh, en vrai, c'est satisfaisant. On va vraiment regarder ça pendant genre 20 minutes. Ah, mais c'est un direct. Donc, il y a 1800 personnes qui sont comme ça. Oh, c'est kiffant, on continue. Non, je suis désolé, c'est trop. En vrai, c'est un peu du gaspillage, mais d'un autre côté, c'est un peu satisfaisant et drôle quand même. Personne ne sait pourquoi on aime regarder ça, mais on le regarde. Alors arrêtez de faire les mecs. Quand il est minuit ou 2h du matin, que t'es dans ton lit, tu sais que c'est ce genre de vidéo que YouTube va te recommander et tu sais que tu vas les regarder. Alors mens pas, putain. Ça, c'est une vidéo, là, les gars, ça vous savez que je kiffe. Hein. En gros, c'est du stop motion. Donc en vrai, c'est juste une photo et tout. Et en fait, ça fait une animation quand on les empile toutes avec genre quelques fragments de secondes entre les deux. Ok, là il fait un toast en Lego, là il va prendre une salade, qui était en fait une salade en Lego. Parce que tout est Lego bien évidemment. Les gars, la vie c'est Lego. Bref, c'est satisfaisant de malade hein. Regardez. Genre le gars, il... Putain mais il a même fait l'intérieur et tout. Le gars il a vraiment du temps à perdre, c'est génial. Là il fait sa petite salade. Bon je suis pas sûr après que c'est grave comestible le Lego, gros c'est un peu du plastique. C'est un peu du pétrole. Non mais en vrai c'est trop d'art hein. Alors, je suis désolé, c'est génial. J'aimerais trop cuisiner qu'il y ait des Legos qui soient là, tu vois. Ok, maintenant on va passer à un type de vidéo que vous aimez beaucoup trop. Et d'ailleurs, je commence à être jaloux. Pourquoi vous aimez plus ce type de vidéo que moi? C'est les vidéos satisfaisantes sur la presse hydraulique. Ça, les gars, je vous promets qu'on va en acheter une. C'est prévu cette année, vous inquiétez pas là. 2022, j'ai ma presse hydraulique et on va tout casser à Webedia. Là, c'est un poids. Est-ce que le poids fait le poids? Ah, ça se voit, la machine elle lutte un peu. Ah! Il a fait le poids, il a survécu. Il a juste survécu, c'est génial. Ok, là c'est un diamant gros. Un diamant qui fait même pas la taille de son doigt. Alors soit le diamant est très petit, soit il a un très très gros doigt. Ce qui est très possible aussi. Va-t-il y arriver? En vrai, un petit objet comme ça, je suis sûr c'est dur à casser. Ok, là on est à... Ah ouais, shine bright like a diamond, hein. Là c'est illégal, le diamant il s'est fait goumer d'un coup. Gros il est permis qu'il s'est défoncé. Et imaginez en plus ça sera un diamant genre méga cher. Comme le gars il doit être dégoûté. Comme quoi c'est pas le prix et la qualité hein. Ok là c'est un big, donc c'est le même en plus gros. Frère si le petit il a pas tenu, je suis pas sûr que le grand va plus tenir hein. Ah ah, on sent que ça cède, c'est l'âge de glace les gars. C'est la fonte. Et en vrai c'était stylé de ouf hein. Et les gars les bails de presse hydraulique de toute façon c'est goat, c'est live goal. Maintenant on va regarder une vidéo de satisfaisance, mais en fait c'est tout dedans. Y a pas de but précis. On commence avec une voiture, y a rien qui va gros. Y a rien, mais mec c'est à quoi Bouloir, c'est Aquapolis. Pourquoi les gars, il y a un mec qui est tranquille en train de marcher dans la rue comme si tout allait bien alors qu'il a clairement la moitié du corps dans l'eau. Pourquoi les voitures c'est des bateaux? Pourquoi? Wesh, mais même le bus il en a rien à battre. Ah ouais, mais là il est sans un délire. C'est qui elle? Oh elle est mignonne par contre.
Au revoir, c'est cool de te voir. Je ne connais pas ton nom, jeune demoiselle, mais je retrouverai ton faciès et je t'embrasserai. C'est faux, elle me donnera juste une baffe si je fais ça. Quoi ça? Genre, ah, ça par contre, j'ai une théorie de comment ça tient. Là, vous devez dire, ouais, c'est un tour de magie et tout. Moi, je suis sûr, en fait, là, tu vois, juste là, il y a un bâton à l'intérieur, en fait, de la cascade qui permet que ça tienne. Parce que sinon, ça veut juste dire qu'il y a de la magie et je n'y crois pas. Grâce au nettoyant 2000, vous pourrez laver votre paille en métal et aussi vos péchés, les gars. Parce que je sais que vous êtes des mecs sombres. Oh, oh les bails de... On dirait de la mozzarella. Les gars, moi, je sais pas pour vous. On dit que Mozart est mort. Pourtant, quand j'ouvre le frigo, mozzarella. Cette blague a été beaucoup trop faite, je suis désolé, je m'en vais. Au revoir. Et ça coupe le virement PayPal. Mec, il a pris son meilleur rasoir pour faire du jardinage, il avait vraiment pas le temps. Oh! Qu'est-ce qu'il va acheter ça pour son chat? Moi. Mec, ça a l'air si satisfaisant. Oh, il a l'air de kiffer. En fait, j'ai limite envie de l'acheter pour moi. Hein. De la science? Attends, mais c'est quoi? C'est en mode genre quel liquide résiste au métal? J'ai l'impression que c'est plutôt ça en fait. Et ça a l'air vachement toxique, hein. Eh les gars, pour combien vous buvez ça? Parce que là, je pense que vous mourrez si vous buvez ça. Moi, je pense que je le fais pour peut-être 5 euros et 3 mangues. Et 2 pistaches. Là, je le bois, tu vois. Je suis un peu dur en affaires, je sais. Lui, il a pris la phrase dépoussiérer son PC très à cœur. Mec, ça faisait combien de temps que t'avais pas utilisé ton PC? Tu l'as enfermé par les pharaons et les pyramides, gros. Il est vraiment poussiéreux, gros. Ok, là, tranquille. Mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert juste à casser les couilles à la personne qui prend la douche après. Pourquoi vous faites ça? Attendez, levez la main dans la pièce, tous ceux qui font ça. Attends, mais comment vous êtes aussi nombreux à être rentrés au studio? Partez! Là, c'est stylé en vrai. Hein. Ça vous donne pas envie de le manger? Non, il y a que moi, ok, j'ai compris. Ouah, cette lame-là. Les gars, elle est tellement aiguisée. Imagine, elle te touche l'œil. Ton œil, ça devient un kebab. Genre, il est tranché en deux. Eh, on dirait du yaourt. On dirait genre un gros pot de yaourt. Ou de sperme. Wow. Et lui, ça se voit, il a pas le temps, c'est un mec carré dans la vie. Ça se voit, il découpe des tomates depuis son plus jeune âge. Il a été tomatier de père en fils et de fils en père. Gros, t'as pas envie d'être une tomate en face de lui, hein. C'était rouge, il te découpe. Mec, tu lui fais un dégradé à la planète, là. Hein. Genre, c'est chaud. Un dégradé sucré. Eh les gars, est-ce que vous trouvez que j'aurais me faire une coupe dégradée? Ou est-ce que vous trouvez que j'aurais me faire pousser les cheveux? À vous de me dire dans les commentaires. Tapez cheveux longs pour plus de cheveux. Tapez cheveux courts pour moins de cheveux. Et tapez tomates pour avoir des tomates. Qu'est-ce qu'il fait, lui? En vrai, les bails de bouffe, ça donne faim. Hein. Bon, ok, c'est une vidéo qui va clairement donner la dalle, alors je vais peut-être changer de vidéo. Ok, donc là, il y a un coffre-fort avec une fortune élevée à plus de 5 billets de Monopoly à l'intérieur. Ça se voit, c'est des faux. Putain, mais arrête de faire le riche, frère! C'est des faux billets, ça se voit, gros! C'est une pyramide, gros! Ah! Putain, il joue vraiment bien le jeu d'acteur, quoi. Il est surpris et tout, c'est génial. Oh bah, c'est ballot! Un coffre-fort fermé. Comment je vais l'ouvrir? Mais si, en fait, je l'explosais en deux, quitte à détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, mais c'est vraiment ce qu'il fait? Mais mec, c'est quand même con. Ok, la première grenade, par contre, elle était pas ouf, hein. Ok, là, ça va. Là, il sort la grosse grenade. Ça se voit parce qu'il court. Mais il a laissé le selfie stick. Bon, ça va, alors. Pour l'instant, c'est chill, hein. Il arrive pas trop à ouvrir son coffre. Là, il met le pétard rose. Le pétard toulousain. Bon, il y a aucun pétard qui marche, mec, hein. Genre, sort la vraie greu. Oh, ça, c'est le gros, les gars. C'est la Big Mama. Pète ou je te pète. Attends, mais genre là, c'est pas... Ça tient? Eh mec, mais c'est le coffre-fort le plus dur à... Mec, je veux enfermer mes secrets, mes peurs là-dedans, mec. C'est impossible à ouvrir, le truc. Ça me rappelle les fesses de mon ex. Tu pouvais les ouvrir même si t'avais pas de code. Elle m'a trompé. Mais arrête de lui mettre un doigt. Mais what the fuck? Mais y'a rien qui va dans cette vidéo, c'est trop bizarre. Et du coup, il sort un pétard avec une tête de mort. Le NT777. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je crois que NT ça veut dire Nutty Tough. Et 777, je crois que ça veut dire 3-7. C'est le bad 7. Oh! Je crois que ça l'a fait péter, non? Genre, là, il s'ouvre toujours pas, frère. T'aurais juste pu appeler un serrurier et te l'aurais fait en 2-2. Ce qui aurait été marrant, c'est que le serrurier aussi, il fait tout à la grenade. Arrête, gros, ça marche pas, ça marche pas! Tu ne récupéreras jamais ta thune, c'est fini, mon ref. T'avais juste à retenir le code. De la lave contre la piscine. Comment on va regarder direct? Attendez, j'ai une anecdote là-dessus. En gros, moi, quand j'étais petit avec mes potes, on kiffait faire du mini-skate. Et en fait, j'avais un pote, une fois, on était chez lui pendant une semaine et sa tante nous gardait. Et sa tante, tu sais, elle était un peu bizarre dans le sens que elle s'en battait vraiment les couilles. Ça veut dire qu'on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait, elle s'en foutait. On lui a dit, est-ce que on peut aller acheter une bétonnière. Je rappelle qu'on avait genre 11 ans, tu vois. Et en gros, on voulait construire un mini skatepark dans la chambre de mon pote avec du béton. Et la meuf, elle a fait ok. Elle nous a amené acheter une bétonnière, du ciment et tout. C'était trop bien. Et après, on a construit un mini skatepark dans la chambre de mon pote. Mais genre en béton et tout, tu vois, un truc de ouf. Quand ses parents ils sont revenus, ils ont vu qu'on avait bétonné la chambre. Mec, il y avait du béton dégueulasse partout. C'était infaisable, c'était n'importe quoi. On s'est fait tartiner. Donc c'est pour ça que moi, je kiffe les trucs un peu manuels comme ça. Parce que depuis que je suis petit, je kiffe faire ça. Moi, j'étais team Lego, les gars. Et team Playmobil, je suis là aussi. Mais Lego c'est mieux. Moi je m'emboîte comme un Lego avec les meufs. Ok, là il balance la lave. Allez mec, lâche la purée. Allez. On dirait il a pissé. Franchement, si tu pisses de la lave, va consulter, mec. Attends, mais en vrai, c'est un peu bizarre, mais je suis sûr que ça va être d'art à la fin. J'ai envie de voir surtout comment elle va ressortir la lave, parce que forcément, elle va genre durcir, tu vois, je pense. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote, les gars. Moi, depuis quasiment une semaine, je crache du sang. J'ai appelé mon médecin. Il m'a fait, on se voit dans une semaine. Genre, alors clairement, c'est un truc à traiter en urgence. Le mec, il crache du sang. Et le mec, il fait, ouais, chill, t'inquiète, on se voit la semaine prochaine. Mon médecin, il s'en bat les couilles, c'est génial. Sauf quand je serai mort. Oh, il fait sortir le bail. Il a créé de la Nézérite dans Minecraft.
il va pouvoir stocker. Ok, là, il vide sa piscine et à la fin, du coup, ça donne quoi? Oh, c'est d'art! Eh, en vrai, ça pourrait trop être un objet de décoration. On dirait une grosse croquette pour chien. Bon, c'est bizarre, j'ai envie de gratter et de le casser en deux en même temps, mais c'est assez stylé quand même. Allez, les gars, maintenant, on va regarder un peu de satisfaction classique. Parce que je sais quand même qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc là, c'est tranquille. Ça ouvre des petits pots de sauce, mais qu'en vrai, ce serait ouf à grailler. Moi, direct, je gagne la bleue. Sûr, elle a un goût genre barbe à papa ou féerique. Oui, ça existe comme goût. Ok, donc là, les baies fondent. Et là, c'est une gaufrette. On dirait vraiment juste de la pâte à prout. En fait, je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi on est satisfait par ça. C'est vraiment chelou, les gars. Soyons honnêtes, 2 minutes, c'est vraiment weird. On dirait des petites crottes de licorne. C'est pas ouf. J'aime pas trop. Par contre, je suis grave chaud que quelqu'un me fasse ça dans mon dos. Hein. Parce que depuis quelques temps, je fais que me craquer mon dos. Si quelqu'un a envie de me mettre des coups dans le dos, moi je suis chaud de ouf. Hein. Je vous paye si vous voulez. Je vous paye 3 malabar. Bon, vous êtes dur en affaire. Allez, 5. Ok, petite tartine. Ah, mais non, mais c'est un dessin de tartine. Les gars, tartine ou je te tartine. Personne dit ça. Va dire ça à une meuf, elle te tue. Genre, il y a une collab avec Rick et Morty et les Pringles. D'ailleurs, les gars, est-ce que vous préférez l'ancien logo Pringles ou le nouveau logo Pringles? Parce que franchement, je trouve que l'ancien, il avait plus de charme. Avec sa grosse moustache là. Ah, mais c'est que lui qui déballe de la bouffe. Mais frère, si je peux me donner faim, vas-y, rentre chez toi. Hein. J'ai déjà assez faim comme ça. Si vous avez fait cette vidéo, n'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus et n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour rejoindre la communauté, les gars. On est bientôt 1 million, venez, on le fait avant la fin de l'année. Rejoignez Raytonia, les gars. N'hésitez pas aussi à mettre les photos de profil du Cookie Gang qui sont dans la description si vous voulez avoir votre photo de profil customisé. Et n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram pour ne rater aucune vidéo et aucune nouvelle et aucun live. Alors maintenant, tu vas bouger ton petit chacos et tu vas me suivre maintenant. C'était Rayton, pra pra pra, et ciao.